qui nous sympathie nous, par la population Saint-Marc là, parce que hier à Saint-Marc, il y a eu pratiquement un massacre. Plus de 11 personnes ont été blessées par balles à l'occasion d'une manifestation pacifique de l'opposition pour exiger la démission de Jovenel Moïse. Il y a des personnes qui ont été arrêtées également à Saint-Marc, mais il y a des gens qui ont arrêté tout dans tout le pays. Hein. Nous exigeons leur libération, notamment ce jeune Pedro Challenger, T. Germain, qui a été arrêté dans l'air du champ de Mars. Ça passe à Saint-Marc la grave. Nous recueillons les informations et une plainte sera portée le plus vite possible contre les policiers qui ont perpétré ce massacre à Saint-Marc. Oui, je t'écoute. Président Jovenel Moïse dit c'est pas dans crasé brisé, dans retem metem, retiré metem, n'a privé résoudre problème pays. Donc, réaction nous claire déjà, hein, nous rejeter appel, chef de l'État, à l'ancien, puisque le mandé nous dialogue, donc nous pas dans dialogue nous-mêmes. Moi, je crois que j'ai Jovenel Moïse cherche en pile. J'ai M. cherche en pile. Si Jovenel Moïse, jodi a, il doit parler de mission population en Bali, c'est que j'ai le cherche en pile. Parce que sorti 17 octobre 2018, passé 18 novembre, arrivé 22 novembre, passé 7 février, arrivé 22 février, passé dans le mois de juin, ça a passé dans le pays aujourd'hui, après plus passé 12 jours de mobilisation, il est clair que le peuple haïtien a rejeté Jovenel Moïse comme chef d'État. Le peuple haïtien ne veut plus de Jovenel Moïse comme chef d'État. Et aujourd'hui, la principale revendication du peuple haïtien, c'est la démission de Jovenel Moïse. L'autre revendication, c'est procès Pedro Caribe, procès massacre La Saline, et l'autre revendication, son transition de rupture qui est différente de ce qui a été fait avant yo, et une revendication peuple à porter tout, c'est la conférence nationale haïtienne souveraine. Ça veut dire que Jovenel cherche en pile, Jovenel Moïse doit comprendre qu'il est un chef d'État rejeté par la population, et il n'y a aucune possibilité pour l'opposition politique réelle de s'asseoir avec Jovenel Moïse pour essayer de mettre en place un quelconque gouvernement d'union nationale. Nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi, nous ne sommes pas chercher travail. Jodia, crise l'a dépassé mon qui dit yo c'est leader politique. Le peuple haïtien a décidé et la décision du peuple est claire. Le souverain a tranché. Le souverain, c'est le peuple haïtien qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'est levé dans toute la République, dans toutes les communes, dans toutes les sections communales, dans tous les départements géographiques du pays, pour exiger la démission de Jovenel Moïse. Pour nous, autres du secteur démocratique et populaire, et c'est valable pour les autres signataires de l'alternative consensuelle, il n'y a aucune possibilité de discussion avec Jovenel Moïse pour la mise en place d'un quelconque gouvernement de transition. La solution à la crise politique actuelle doit passer d'abord et avant tout par la démission de Jovenel Moïse. Et c'est ça qu'on voit hier, c'était mardi 24 septembre 2019, là, la branche institutionnelle de l'opposition, appuyée bien sûr et supportée par le secteur démocratique et les autres groupes signataires de l'alternative consensuelle, ils ont déjà en conférence de presse pour demander pays, demander population, hein, pour lever, camper vendredi 27 septembre 2019 là, pour exiger la démission de Jovenel Moïse, pour obtenir la démission de Jovenel Moïse. Et je dis à moi, je vais lancer un appel maintenant à secteur privé, hein, pour comprendre que le peuple haïtien ne veut plus de Jovenel Moïse comme chef d'État. Et que chaque fois Jovenel Moïse passe deux jours, trois jours en plus au pouvoir, c'est tant qu'il y a possibilité pour pays à rentrer dans une situation de chaos incontrôlable. Moi, je voulais adresser à monde qui est dans la classe moyenne, l'autre monde qui peut rentrer dans la mobilisation, hein, pour rentrer dans la bataille là, parce que par l'autre issue qui est possible, le combat doit continuer et la solution passe par la démission de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse aujourd'hui, c'est du charbon. L'illumin au moyen au boulet, l'ipalumin au moyen au sali, à l'absalo, pas gen rien du tout ou capable de faire avec Jovenel Moïse. Pas gen aucun monde aujourd'hui qui gen mandat dans mes populations, hein, pour aller discuter avec Jovenel Moïse, pour aller parler de questions gouvernement. Et c'est là que je trouve M. Chèche en pile, je trouve M. Rizès en pile comme président. Oui, donc, on dit pas gen personne monde qui baille Jovenel Moïse, en fait, qui baille opposition, hein, c'est ça?
pour des personnes qui baillent, des mandats pour aller discuter avec lui. Écoutez, guerrier, les revendications du peuple, ce sont les revendications exprimées à travers les rues. Regardez ça qui a passé dans le pays là, ou même, ça qui est passé le 17 octobre en termes de mobilisation, ça qui s'est passé le 20 septembre, vendredi 20 septembre, jeudi à la 2019, côté opposition, lançons un mot d'ordre de mobilisation, peuple à répondre massivement. Ça qui s'est passé dans le pays avant hier, jusqu'à l'instant, côté peuple à descendre dans le Parlement, à le supporter sénateur opposition, peuple à sortir cité soleil, ils ont dit tout côté le prend la rue, et le poté, ils ont une revendication qui est claire, qui c'est la démission de Jovenel Moïse. Bon, si vous-même, vous avez conseillé un monde qui est dans la politique, en ne supposant pas de journaliste, on t'a dit, mon cher, on va bien droit de négocier question de pouvoir avec Jovenel Moïse. Il est clair, personne ne peut aujourd'hui s'arroger le droit d'aller s'asseoir avec Jovenel Moïse pour discuter autour de la formation d'un quelconque gouvernement d'union nationale. Personne n'a ce mandat parce que le peuple a très clairement exprimé ses revendications. C'est un, démission Jovenel Moïse. Deux, pour ces Petro-Caribé, pour ces massacres à Saline et des autres cas de corruption, et finalement, en conférence nationale à l'échelle souveraine pour jeter les bases de l'émergence de nouveaux projets de société. Et c'est ça qui est plus important, comment pour construire le pays, construire l'État capable de bailler sécurité, construire l'État capable de rassurer tout le monde pour qu'un travail qui crée dans le pays pour jeunes garçons avec jeunes femmes, construire l'État capable de nos éducation de qualité pour nous construire un pays à intérêt de tout le monde. Mais question négociée à Jovenel, question gouvernement, franchement, celui-là ne rentre pas dans la dynamique. Bon, mais attendez, Michel, ou même vas-y. Précisément, donc, on a combattu Jovenel Moïse depuis avant le président, depuis la campagne. Problème profond ou avec l'équipe alliée. Écoutez, mais aujourd'hui, question ça, je pense que c'est une belle question, mais la vérité, il est clair. Tout le monde qui a combattu Jovenel Moïse, tout le monde qui était commencer combattre Jovenel Moïse. Je dis à tout le monde, qu'est-ce que Jovenel Moïse fait? Qu'est-ce que Jovenel Moïse fait? Le bilan de Jovenel Moïse est là. Ou inflation qui autour de 20%, ou gagne en corruption cap valet terrain, ou un chef d'État cap fait obstruction à la justice, qui parle la justice fait procès Petro-Caribé. D'ailleurs, monsieur est en France, monsieur dit que la bloqué procès Petro-Caribé. Là, ça, moun pot kokon pour qui ça? Mais quand la Cour des comptes a fait sortir son deuxième rapport sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé, nous tous nous comprenons, c'est parce que Jovenel Moïse est dans Petro-Caribé, tout. Jodi, à qui sont constatés? Ou constatés où on l'État, qui tourne l'État bandit, on l'État gang, rapport Organisation des droits humains fait, rapport de CPJ fait, montrer qu'il y a une relation entre les autorités de l'État et les assassins, qui ont assassiné petit monde dans le quartier populaire, qui ont violé monde dans le quartier populaire, qui ont volé bagaille monde. Ça veut dire qui ça? Jovenel Moïse, tout le monde gagne de très bonnes raisons pour combattre lui. Il est clair que le type, il ne portait aucun projet sérieux. Il est clair que le type, il n'avait aucune vision pour la bonne marche de ce pays. Voilà, monsieur bon pays, qui son pays qui mourit, pays n'a pas fonctionné, la justice n'a pas fonctionné, l'économie ne fonctionne plus, l'État pratiquement disparaît, seulement l'État donnant l'État bandit, on l'État qui a détruit tout ça qui existe dans le pays comme minimum. Il est clair Michel. Que Jodia, tout le monde qui bat le Jovenel Moïse, il a eu raison. Et le peuple haïtien, Jodia, c'est lui-même qui a fait bataille là. Parce que Jodia, ça a passé là, il a dépassé le secteur démocratique, il a dépassé les sénateurs, il a dépassé oui, mais c'est nous, c'est nous qui avons mené la bataille là, en tout cas, maître Michel. C'est nous qui avons mené la bataille là. Un groupe de monde qui sont des dirigeants, oui, des responsables. Oui, mais attention. Qui ont orienté la bataille là. Mais oui, tu as raison sur ce point. Effectivement, nous menons le combat. Effectivement, nous sommes des meneurs. Mais attention, ce qui fait la force de celui qui mène le combat, c'est parce qu'il mène le combat dans le sens des intérêts de la population. Le jour où on a décidé de faire pas nous, le peuple haïtien va se détacher de nous et nous serons à ce moment-là isolés. Et nous ne ferons jamais ça.
nous resterons attachés aux revendications du peuple haïtien. Nous allons continuer à porter les revendications du peuple haïtien, et je le redis ce matin sur les ondes de radio Caraïbes FM, à un moment où la population est en train de m'écouter, il n'y a aucune possibilité pour le secteur démocratique et populaire et pour les autres signataires de l'alternative consensuelle pour la refondation de l'État d'aller s'asseoir avec Jovenel Moïse pour la mise en place d'un quelconque gouvernement de transition, de salut public, d'union nationale. La solution à la crise passe par la démission de Jovenel Moïse. Nous pas dans bagaille comme ça. Maître André Michel, nous invitons le peuple là pour descendre dans la rue vendredi 27 septembre 2019 là, n'a sorti dans tout coin en bas la ville, n'a monté Pétionville, n'a monté Pèlerin, nous va faire bataille là. Maître André Michel, le tableau décrit là montrer que toutes conditions réunies pour Jovenel Moïse t'a déjà remettre démission. Il y a des gens qui pensaient c'est parce que parti en face t'a pas fait proie. Il y a parlé de opposition pour faire partie. Ça ne pas mal, une bonne question ça. Je veux dire, il est clair que l'opposition politique, c'est une opposition légitime. On y garde ça qui passe dans le pays à 20 septembre 2019. 8 septembre 2019, nous lançons une alternative. Une situation quand même qui est à nous possibilité ça. C'est question gaz, non? Parce que le mouvement de protestation dans la rue a été faibli. Comment? Nous dit mouvement de protestation dans la rue a été faibli. Il vient nous relancer là avec crise qui vient dans la question gaz, non? Mais écoutez, soyons sérieux. Tout le monde qui connaît ça, aurait les batailles et mobilisations, il connaît ça la dernière. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Regardez ça qui a passé dans tout l'autre pays côté qui est en opposition. Mais il est clair que, après 20 septembre 2019, côté nous lancions appel à mobiliser sur toute la République, l'étendue du territoire, et que peuple a descendu dans la rue, on ne peut plus parler d'opposition faible aujourd'hui en Haïti. Et ça qui s'est passé dans le Sénat avant-hier, côté peuple a descendu dans la rue, et à supporter les sénateurs, et continuer à prendre la rue dans toute zone métropolitaine, prendre la rue dans tout le pays. Et je dis, pendant qu'on a parlé de la mobilisation à continuer, il est clair qu'on sorte de symbiose, qu'on sorte de synergie, qu'on sorte de relation entre le peuple et l'opposition politique. Et c'est ce qui fait notre force. C'est parce que désormais, le peuple, ensemble avec nous, c'est dans la même direction où on va aller, c'est le même combat d'appel. Et même si Jovenel Moïse est capable de rester là, jusqu'à présent, parce qu'on supporte de l'ambassade américaine, de la communauté internationale, mais j'ai la conviction que les étrangers finiront par comprendre que c'est fini pour Jovenel Moïse et qu'on ne peut pas continuer à supporter indéfiniment un chef d'État rejeté par son peuple, rejeté par sa population. Et j'appelle les étrangers à le comprendre. Ce matin, c'est fini pour Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, c'est un cadavre politique. On amène ça au cimetière, quelles que soient ses relations avec ce cadavre. C'est le principe. D'accord. C'est fini. Pas un monde qui est capable de mener un pays à notre dynamique gouvernement d'union nationale avec Jovenel Moïse. Pas un monde qui est capable de quimber Jovenel Moïse au pouvoir encore. Le D'accord. peuple a tranché. Le peuple est souverain. D'accord. Mais merci un pile, maître André Michel. D'accord. Merci un pile, maître André Michel. Votre parole, secteur démocratique, là, que je m'accompagne tout à l'heure. Et c'est Ouriel Chrétien qui vient lui lancer. C'est moi, Ouriel Chrétien. Oui, moi, Ouriel Chrétien. D'accord. C'est pas GOC qui est dans la zone. Voilà. Donc, précision importante, puisque il y a un monde qui tape Hélène sous ça. Bon, nous allons parler avec colonel Himmler Rebu, nous qui tape essayé Hélène là. Yon réaction donc après discours président République là qui était adressé à la nation matin vers zone 2h à côté li plaidé en faveur yon formation gouvernement d'union nationale li parlé de yon trêve que mandé à opposition donc encore une fois li longer la main ben tout secteur pour que yon capable permettre pays à bouger. Allô? Oui, après le parler avec colonel Himmler Rebu. Bonjour. Bonjour, Caraïbes. Et nous saluons tout le monde, toutes les personnes qui ont écouté nous dans le pays. Et nous avons passé toute nuit là. Nous avons et discours président. Nous finissons par rien après minuit. Et c'est ce qu'on appelle un discours creux. Côté où pas de aucune orientation directe et pas de aucune. Mais à culpa. Jean-président parle là, c'est quand on a dit, les grands pouvoirs n'ont pas le bigon pile, monde qui parle de elle, qui besoin de pouvoir. Donc, toute population qui a sorti dans la rue, qui a plein de difficultés qu'elle gagne, c'est des gens qui ont fait blague.
président pas dit aucun disposition prend par rapport au proche essentiel yo faire yo sous massacre moun la saline sous moun li gen comme acteur massacre là que la protéger avec pouvoir que le gen nan men là li dit que le 7 mois pas cap mettre un gouvernement mais pas de personne qui empêche président mettre un gouvernement. Cela veut dire que gros problème sérieux, et président arrivé dans le moment. Ouais, on dit pas, c'est colonel Rebi. Colonel Rebi. Ça lui mal fait. Colonel, on dit pas qu'il y a personne qui empêche elle, mais c'est les désigner, les nommer mon nom, mais pas qu'à passer dans le niveau Sénat République là. À cause pas qu'à une séance. Le fait politique n'est pas seulement un fait physique, il est soutenu par un fait moral. C'est pas. Le président désigné de monde. Et ou pas, ouais, chaque mouche voit désigné au monde. Notre optique, et qui obstacle qui gagne, ou rentrer dans des manœuvres. Le maïsien président prend un monde qui n'a exactement la même activité avec lui. Monter faux film, avec seul objectif pour qu'il siphonne moyen l'État. Président plein, monde ne fatra. Li parle avec Kazek Azek yo qui disposition te prend pour te faire dans budget national là chaque commune gen une quantité d'argent pour cap prendre soin population dans zone côté yo ya Fatra qui là yo pas là au hasard c'est pas parole ou diriger pour bail c'est pas un no crise pour président dit li constater li prend acte pour qui ça bagaille ça yo rivé et si yo rivé qui ça lui fait, qui disposition le prend. Moi-même, moi, j'étais tonne pour me tonne de discours président, parce que je connais le tabral dit, pour moun yo massacre dans la saline, yo crase toute économie, yo mettez telle disposition le prend. Pour problème qui lié à M. Kabrit là, mettez telle disposition que le prend. Pour chaque bagarre, mettez à partir de là, ou t'as qu'à dire, président, qu'elle est réveillée, qu'elle est remise compte qu'on pile bagaille qui fait mal. Affaire les jours d'hier à un gouvernement d'union nationale. C'est ça une longue tentative pour le président joindre mon opposition Vinci Tavel pour venir chercher pour son pouvoir. Et pour aller tomber en un même barrique qui sale de toute saleté que nous reprochons. Pour qu'il soit président parle dans l'ONU. Président parle dans l'ONU. Moi-même, comme son monde qui est ingénieux. Nous sommes moun qui croient dans la parole. L'homme tende le dit le pas praler. Comprenne son réveil qui fait la kaili. Pour le rendre compte avec tout dossier là, honte que le gagne le pas capable de camper devant le monde pour le parler. Mais écoutez, le problème n'est pas un problème de faire gouvernement d'union nationale. Problème fort président a commencé par des preuves, des mesures que le prend pour le dire oui, effectivement. Alors, président parle d'opposition. Tout le monde qui saute dans la rue, c'est fou, fou. Il est très clair que colonel la preuve a été donnée que le président n'a pas de capacité. Colonel Rémy. Colonel Rémy. Nous sommes venus à faire gazoline dernièrement. C'est l'opposition qui fait. Colonel. Mais maintenant, gagné de comme ancien ministre, gagné des décisions. Il doit prendre avec un gouvernement légitime. D'ailleurs, nous avons un gouvernement là qui. Bon, il y a des gens qui pas même compte qu'ils n'ont plus Bali, hein, parce qu'il n'est pas passé devant le Parlement, son gouvernement démissionnaire, mais qui finit déjà de moment constitution exigé pour ça. Donc, est-ce qu'on pensait, le président républicain, il gagnait assez l'attitude pour que l'État fait poser des actions concrètes, avec un gouvernement illégitime? Mais c'est le rôle du président. Il y a un seul pas. Ou pas qu'on savait un président dans le pays. Il y a des paroles, président Jovenel Moïse, de hier soir. Matin, République, là, t'as plevé dans la sérénité. Oui. Souvent, des citoyens qui coûtaient discours. Qui ça le dit par rapport à problème qui gagne. Tout simplement plaigné, il dit qu'il n'a pas réagi à la violence par la violence. Violence qui fait soupir moun yo tué dans la saline yo, qui j'en relé. Le yo vini avec des étrangers, yo ba yo zam, yo ba yo machine pour circuler sous territoire, qui j'en sa relé. Et pour ça qui fait là, qui ça le fait, qui mesure li prend, qui mesure dit nous le prend, pour ba nous preuve que pas d'accord avec déviation sa yo.
madame ni cal campé al traité bagaille pour changer identité et haïtien yo pour cap al préparer faux élection en prenant l'argent de l'État contre la vie de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui mesure prend pour ça. Parce que c'est pas plein population à plein que des reproches précis que yo fait gouvernement. Avant moun ta cap commencer parler avec le président, faut ta prendre des mesures pour ta créer le doute favorable pour moun ta cap dire ah gèlè monsieur virer vers la justice vers ba qui correct pour y a yo cap tendre ça là. Donc même au même colonel Rebu ou voyez jeter appel dialogue président République là lancé même genre avec secteur démocratique là nous sous même longueur d'onde là. Mais c'est une parole le président bay. Président l'on ka sa yo son papa ou responsable on kay. Et que kay la prend du feu avec ti moun yo la donne. C'est pas si mon yon pour jouer le tap vena lui-même. C'est pour demander ou même kout comme papa koto teye, qui discipline ou te bayo, qui attitude ou te genye. Jodi à président, c'est pas meilleur coup pas pour le faire, non? D'ailleurs, il dit nous le reconnaître, il va taper son gouvernement. C'est qui mesure 1, 2, 3, 4. Le sa moun a dit ah, les groupes opposition, ce sont des irréductibles, et parce que, mais sa président fait, mais sa président. C'est pas les paroles, puis le président, je le dis, elle dit population sont qui fait violence sous lui, et que le TACAP fait violence tout, mais elle choisit pour le pas faire. Violence carburant, 6-7 juillet l'année dernière, qui est-ce qui te fait la population? Incapacité pour assurer sécurité pays. Lidili by Michel Lapin et l'ordre pour résoudre le problème sécurité. Combien d'acolytes li yo qui a distribué les armes, qui a commandé cartouches, lui fait arrêter. Président plein que là, il n'a pas rentré comme. Si j'en fais président de la République ou qu'on paye dans mon budget, et puis on a plein que la douane DG n'a pas rentré. Ça, il n'a pas rentré comme. Parce que bon pile moun yo mette pour aller voler l'argent de l'État pour aller dans des routes qui pas aller dans la caisse de l'État. C'est ça qui fait la rue à pas nettoyer. C'est ça que fait si nous allons à l'école, nous pas jeune des professeurs. Parce que nous n'avons pas l'école là. Nous admettons que nous avons l'école à plusieurs vitesses dans le pays. Et que nous avons des gens qui doivent avoir une mauvaise école, l'école Bolette, et que nous avons des gens qui sont capables dans l'autre école. Qui mesure qui prend pour professeur capable de toucher à temps. Donc, politique pas faite dans maniguette, c'est lui pas faite dans plein. Il y a un président de la République, en tout cas, qui est en opposition. Donc, au passé, président, il y a une action qui faut t'avouer signal chez ta parler pour que, j'en le dis là, nous entendons sur accord nous par rapport à des accords qui gagnent. Et secteur démocratique, lui-même, il dit, il n'est pas dans chez ta parler. Nous voulons connaître, est-ce que c'est position ça, colonel Himmler, il veut gagner, pas de dialogue avec président Jovenel Moïse. Nous-mêmes, nous signons tout acte qui fait en le secteur démocratique et populaire et nous passons par des fantaisies. Nous avons des positions publiques que nous déprenons, il y a des réunions qui fait, il y a des analyses de situation qui fait et nous dit mais qui positionne nous. Nous-mêmes, il est très clair que nous pas attendons des paroles. Bagay président fait hier soir là, c'est plein, le vin plein. C'est action pour le prend qui mesure qu'a prend dans chaque cas côté reproché lui. Il y a un seul de monde qui gambe zame qui a circulé sous territoire république là qui empêcher monde traverser Matissan. Quelles sont les mesures concrètes? Maintenant dernièrement, il y a une campagne qui t'a fait yo organiser des audios au niveau et chaque fois pour le président et sénat de la république là fait une intervention hier matin. Côté lui fait toute une campagne de dévitalisation des institutions nationales, quand pour des ordres que le sénateur a organisé par en bas, elle n'a pris l'argent, elle n'a fait des ordres à gauche, à droite, chaque monde a organisé des ordres par eux, c'est la police nationale qui vient pour la rentrer, à régler mon bagage comme ça. Comment peut-on mettre en péril les institutions